La foule agglutinée devant les barrières, selfies et autographes comme ici à Bruxelles en 2019 ne seront pas de la partie cette année. Distanciation, masques et quotas de rigueur, une semaine avant les organisateurs fixent les règles. Sur la ligne de départ à Nice, 1750 spectateurs seront acceptés au maximum. Sur près de 6000 chaises installées, c'est plus d'un tiers de chaises qui restera vide. Si le Tour de France aura bien lieu, c'est peut-être au détriment de la grande fête populaire qu'il représente. Bien sûr qu'on préférerait tous que ça se passe avec plein de monde comme d'habitude, et j'espère que ça se reproduira bientôt à nouveau. Mais le sport est vecteur d'émotion, tout est mis en place pour que ça se passe bien. Alors oui, il y aura moins de monde, oui, la fête sera un peu moins belle, mais vous savez, derrière les masques, il y aura quand même des sourires. L'événement sera bien sûr à suivre de la maison, avec plus de 100 heures de direct sur France Télévisions. Mais là encore, pour les médias, les règles ont changé. Une seule équipe par média et dépistage obligatoire. Samedi, ça va être compliqué. Il faudra absolument récupérer les accréditations pour ça. À France Bleu Azur, l'heure est à l'organisation. Notre mission, c'est de continuer à émettre quoi qu'il arrive. Mais nos équipes doivent être au contact sur le terrain. Et donc au plus près, soit des coureurs, soit des auditeurs qui seront sur le bord de la route en train de suivre le Tour de France. Et là, aujourd'hui, on a des difficultés puisqu'on doit tenir une distance physique. Maxime Baquier est le journaliste sportif de la rédaction. C'est lui qui couvrira le Tour. Contrairement aux autres années où on était sur la ligne d'arrivée et où on pouvait interviewer les joueurs juste sur l'arrivée, sur l'émotion, sur l'effort, là on va être cantonné, confiné dans des petits box. On va perdre en spontanéité et puis on n'aura peut-être pas les coureurs qu'on veut. À 10 jours du départ, la ville de Nice se prépare, mais le maire et les organisateurs n'excluent pas de durcir les mesures si la situation sanitaire le nécessite.